T'es sûr de ton coup? Écoute, si ça nous tire dessus, c'est que c'est ennemi. Si ça nous tire pas dessus, c'est bon. Ça va? Ça vous va là? Voilà, ouais. C'est bien, parfait ça. Ah, nice. On tire à vue? Ah, j'espère. J'ai vision sur les alliés là. Mais toi, on voit forte, du coup, tire dessus, on voit pas. C'est vrai que c'est copyrighté, frère. Véhicule en approche, attention. Les Allemands, ils vont arriver à me faire ça. Guardo! Ok, par quelle direction? Je sais pas, j'ai pas une direction. Je vais voir sur les premières défenses. Ça tire dessus! Ça arrête hors culot. Panzer 2. On va terminer mon bunker. Dépêche-toi, Bernard! C'est dangereux. Ouais, j'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'il bouge. Essaye de te mettre dessus pour voir. Yes. Ah là, je vois que ça touche. Deuxième véhicule en approche. Je me décale sur les maisons à gauche. On va avoir notre coup. Vas-y. Ouvrez bien l'œil sur la forêt à droite. On sait jamais. Ouais. Vous allez bien les mecs dans la maison? Ouais, super sympa ta position. Il se déplace, attention il approche. Il approche. Elle anti-tank boy, tu dors. Où tire dessus hein? Ah il tire. Il est déjà en train de traiter. Bah j'espère. Tire sur le canon, Rome, tire sur le canon. Ouais, c'est ce que je fais, mais les deux. Je crois que les deux canons sont éclatés là. Ok, nickel. Ouais, bien. Continue à tirer. Hein. Essaye de. Y'a des Allemands qui sortent. Très bonne ambiance. Allemands en approche, infanterie apparemment. Y'a des Allemands en approche. Au niveau de la carcasse sur le char de. Oui, bah voilà. C'est beau ça. Ils sont sortis à droite sur le char de droite, ils sont sortis du char. Ah putain, il est mort. Miguel. Oui. Miguel, on a j'ai un dit. Il est mort. Deuxième char détruit. Oh, t'inquiète. Hein. Mort. Non, il est dans le coma. Faut les ramener dans le trou à l'arrière, je suis sur Bernard, ramenez-les sur le trou. Ou dans un trou ou à couvert. Je pense j'y crois. Putain quel bâtard. Puis en face de la fontaine. Faites les premiers soins si possible. Ah putain, sérieusement. Putain, j'aurais bien voulu la musique de. Ici à 3ème escouade pour QG. Voilà, ici c'est un peu mieux. QG à l'écoute. Ouvre-moi, Bernard. Est-ce qu'on a d'autres informations? Ok, je te couvre. Des mouvements ennemis possibles. Tandouille, il fait un arrêt cardiaque. Route principale putain. Comme tout à l'heure. Vas-y, je vais y aller. Ah, il sort pas sur le... Je crois que t'as vu tirer. Il est où le. Oh putain! On a un mec au sol! Violent. Ouais, Miguel, y'a plein de mecs là à terre. Il dit Prat, hein? C'est Kylian dans le commun? Oui, c'est Kylian aussi. Mais il faut dire Prat parce que c'est l'anti-tank. Ok. Oh là là. Soignez en attendant Kylian. Faites-lui les premiers soins, mercurochrome. Je lui pense, moi. Ah, il a le bras brisé, ce pauvre con là. Bah, je lui mets une attelle après. Je suis en train de lui réparer. Alors, son non, Dipra, t'as pas eu tireur, je qu'on fait. Là, Dipra, il est dans la sauce. Je soigne ton bras. J'ai mal, je soigne ma tête. Je te mets une attelle. QG pour escouade. Kylian, je t'ai mis la QG pour escouade, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il peut être utilisé si vous voulez. C'est reçu, il est en peu. QG, il a dit qu'il y avait un canon au sud, car des feux. Je vais aller chercher. Non, il y a un panzer. Je répète, Warhom s'est fait eu.
C'est sur toi, Dipro. Ouais. Tout repose sur toi. Ah, je vais vérifier l'entrée cette fois-ci parce que d'habitude ils me font toujours des arrêts cardiaques maintenant. Non, c'est bon. Ah, ça va. Bah voilà, il suffisait de le demander. Allez, il aime voir, beaucoup le métal allemand, hein, Axel. Mais Sabaton, c'est trop bien. Le meilleur groupe les verts allemands. Enfin, y'a Rammstein aussi. Bon, là, est-ce que ça serait pas mal d'améliorer le bunker? Déjà, on va en profiter pour améliorer. Les gars, Warhom. Si tu veux, t'as un bunker à l'arrière pour ramener ma robe. Bah écoute, Warhom va se relever tout seul. Oh là! Et bah Warhom ne va pas. Je dégage. Bah en fait, si je le traîne, j'ai peur qu'il tombe. Donc je vais le porter. Ok. Je vais te déposer en arrière, Warhom. Je pense. A gauche! Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Où ça? Le gros truc que j'ai fabriqué là. Là derrière? À l'intérieur? Ah. Ah voilà, t'as un couvert. Voilà, ça fait hôpital là, de t'es campagne. Protégé des explosions, des balles, des éclats. C'est bien ça. Il y a des compos à remonter, Warhom. Ah bon, on va le voir. Hein. Tu vas te relever dès que le coup va. Oh, je pense que je peux péter une. Une épi. Nice. Tous, on est flanqué à droite, carcasse du char. Cardi, tu m'entends? Il est là. Pousse-toi, Cardi, faut que j'emmène les blessés. Vas-y. Ah oui, alors pousse-toi, hop. Ah merde. Je prends le batteur. Portez Dipra à l'arrière, ceux qui peuvent, portez Dipra à l'arrière. Allez. Je t'en ramène d'autres. Essayez d'amener là, ouais, si c'est possible, je m'en occupe. Ok, c'est bon, il est modéré, ça va aller. C'est bon, Dipra. Désolé, j'ai pris une balle dans le cul au moment où j'emmenais Dylan, du coup. Attendez un peu de temps. Mais ça va aller. Vas-y, emmène-le dans le bunker. Je te ramène le chef. Oh putain, merde. Ok, bon, j'ai un poids avec lui donc c'est je, bon. Je vais lui faire. Fais le premier soin. Médic, va pas falloir en amener 50, hein. Parce que là... Ah, par contre, sympa, hein, ton petit lieu de travail là. Il est avec toi, non, c'est fait. Ouais, il est là, il est ici. Kylian? Ouais. Dans le bâtiment, dans le truc de sac de sable enfermé, il est à l'intérieur, il est blessé. Oh les gars, y'a okay, beaucoup de mecs sur les. Non, mais il est dans le coma, je croyais que tu le cherchais. Ah oui, non, mais je voulais en fait qu'il nous restait environ 10 tirs d'artillerie avant de. 10 tirs d'artillerie, d'accord, il nous reste 10 tirs d'artillerie, Cardifur. Même si t'es dans le coma, tu m'entends. Même si t'es dans le coma, hein, tu réponds. De rien. En face de toi, il y a 50 mètres. Tu te mutes ? J'ai une autre qui est par terre aussi, putain. Je chope Pépito. Action de 3 mètres de long. Oui. Escote pour reculer. Bon, j'ai plus de lune, j'ai plus rien, t'es vachement baissé, à mon avis, t'es dans la merde. Plus de munitions. Qu'est-ce qui se passe? Troisième escote pour QG. Oh là là. Je demande de tir d'artillerie possible ou non? Il reste des obus. Je suis sur toi, Pépito. Et je pensais qu'il restait 10 obus, commandement, c'est quoi ce délire? Mais il en reste 10 avant le restock. Et c'est reçu, je demande la frappe de 5 tirs d'artillerie aux coordonnées suivantes, prêt à noter. Coordonnées suivantes 015, 053, séparatif, 016, 048, séparatif, 017, 048. C'est reçu? J'entends des tirs sur l'arrière. Nickel. Ça fait toujours plaisir quand le gars sort du coma. Ah, ça c'est sûr. Elle est bien le petit bunker. Ouais, pratique, hein, bien abri. Ah, je savais que c'était utile. Ouais, clairement. Bonne chance, Bernard, bonne chance.
Et Pito ? Rassembler. Sorti ? Oui. T'es sorti du coma ? Oui. D'accord, ok. J'ai parti chercher des trucs, je me suis dit merde, il est pas. Il est mort. Non, bah non, c'était pas possible. Rassemblement au camion. Attends, je suis jamais allé voir là-haut, moi je veux voir là-haut ce que t'as fait. Plus à droite. Il est pas à droite de fort là ? Il est pas à droite de fort ? Si, c'est pour ça que je suis plus à droite. Plus à droite. J'en ai la bague. J'ai la phrase qu'on va se faire striker avec ce genre. Ici, il y en a dans les sauts. C'est quoi ça? Mets un chargeur dans la caisse. T'es quoi ça, on dirait genre une fusée? C'est un petit là, vous allez décoller en fait. Allez, en position, en position. Moi je vais essayer de m'en faire. Salut. Bon, moi je fais des défenses. Bien. Quoi? On a un canon qui sort, c'est libre. Nice. C'est bon. Il faut des munitions. Des tranchées de. Il est bien la Miguel. Ouais. Les bords de la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Oui, ils se dépêchent de se mettre en position ou ils se baissent là en fait. En fait, c'est surtout qu'il est en train de construire, je crois, Bernard. Ou Purem. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est sympa le mini bunker. Lui, il est cool. Jamais. Et puis, tirer à travers, ouais, tu peux tirer à travers, ça passe. Non, mais je veux dire, par la petite putain mentale. Oui, oui, ça passe, ça passe. Toi, t'as intérêt à détruire tous les blindés que tu vois là, tu les baisses tous. Par contre, j'ai un petit chargeur. Ouais, c'est large. Par où t'es planté, les gars? Derrière, il y a un escalier. Ok. On est monté par ta mère. Putain, on est beau là, comme ça. Un de plus, on meurt tous. Hein. Ouais, j'aime bien, c'est quand le mec est dit dernier combat. Bel alignement là. J'ai dit tout le monde en position, tout le monde s'est mis là. Yes. Y'a des assassins! Surtout qu'on est en hauteur, donc on peut plus. Putain, c'est beau! Ah, je suis blessé! Ah, chien! Ah, voilà, bon bah, y'a des bugs, moi je descends aux tranchées. Oh là là, je suis tout fucked up. Non! Mais commence pas à faire chier! Pas que dalle avec cette merde! Bah oui, mais t'as une protection sur les côtés! Je cherche pas! Ah, ne cherche pas alors! On voit pas bien, jamais. En fait, il est bugué. À gauche. Bernard, mets-nous à toi. De quoi ? Faut se mettre à couvert. Aïe. Ah. Je vais bien. Au secours! C'était pas une bonne idée! Il faut pas sortir d'ici! Il y a un mort ici encore, c'est qui? Oh, j'ai pris trop cher! Oh, il est mort, Cardifur, il va mourir! Je vais mourir! Les gars, on est sur une peu. Ah bah ouais, mais le mec il avait deux grandes avulsions, une grande plaie pénétrante, une large coupure, une grande lacération, un tissu fortement écrasé, deux petites avulsions, une petite plaie pénétrante et une petite coupure. La vache! Là, ça va pour le cas. Ça fait beaucoup, hein! T'es pas allié à droite? Non. Défense. Ils savaient qu'on était à gauche ou ils se sont plantés de route? Ils se sont plantés de route, c'est évidemment. Oh, ça c'était beau. C'est quoi ce chargeur pas plein là? Le mec il me file des clips, y'a deux balles dedans. À droite, le camion à droite, y'a des mecs qui sortent. Ouais, encore plus. Boutille. Eh oui, bien sûr. Le camion gauche. À gauche. Dessus, c'est moi. Attention, il y a quelqu'un qui s'approche. Feu. 340. Oui, boutille. Bien joué. Ah, mais les gars, c'est quoi ça? T'as explosé. Des choses. On a vraiment que Bernard.
Bernard, pourquoi tu... Bernard, on te demande un tour, on te demande pas de jouer et puis de faire des tétons avec ta mère. Quoi? Camion d'infanterie, route de droite. Ça va. Deuxième camion, route de droite. Tu vois quelque chose? Attends, j'ai pas une rotation d'Abraham, ça. Avion, avion. Là-bas. Tout casse. Juste au-dessus de nous. Oh là là. Il y a aussi l'infanterie à droite, là où il y a la smoke. Ils sont sortis. Oh putain, ça va pas taper loin. Je voulais se tirer quand même. Vas-y, bah sur l'infanterie, ouais. T'inquiète pas, t'auras de quoi faire avec les chars. Ah, t'aimes ça, hein, salopard. Ah bah là, là il est mort. Attends, je recharge. Putain, j'étais pas... Oh. J'avais pas de kill pour engager. Ah, cette fois-ci, je l'ai eu. Tu l'as eu? Ah ouais. La dernière balle du chargeur dans le nez. J'aime l'oignon. Ouais, alors ça, c'est époque napoléonienne. Ça passe. Moi, je tiens à préciser. Qu'est-ce que je fais, là? Moi, tu fais des trucs bizarres, Bernard. Je m'adapte au terrain. Je m'adapte à ce qu'il dit déjà, du coup, c'est bizarre. Ok. Ah bon, c'est au niveau de la première fumée. Et la question, Pépito, est-ce que t'aimes l'oignon, toi? Ouais, j'adore l'oignon. Eh ben voilà. On verra quoi, ça c'est des coups de wagon. Attention, des tankettes arrivent. Là c'est pour toi la Pépito. Non, c'est des coups de wagon, c'est des petites voitures de merde. Avec des MG dessus. Ouais, bah justement, c'est pour lui. Ouais, mais je peux pas les choper de la route. Et boum. Ouais. Mec, ils ont tiré dessus à l'MG, ils ont pété. Bah, bien joué, Tank Boy. Enfin, anti-Tank Boy. Panzer, au loin. Y'a un Panzer. Oui, Panzer, regarde. Oh là, ouais. Ah, tu te fais dépouiller par je sais pas quoi. Je veux pas que c'est un peu. Recharge. On peut mieux protéger. Il arrive, il s'approche, il est visible. Oh là là, putain. Juste à droite de l'explosion, il est. Celui-là, Pépito, faut pas le rater. C'est l'obus du futur. Il passe où? Il est sur la route entre deux arbres, tu peux l'avoir. Un petit peu à gauche de la fumée. Oh putain, je glisse. Bravo, t'as touché la feuille. Plus haut, il vient de s'arrêter. Je le vois pas, il est dans les. Il est là-bas. Attends, regarde, il est là-bas. Il y en a un autre là-bas à gauche. Vite. Le prochain, on se le prend dans le nez, à mon avis. Ok, mec, là-bas. Ils sont sortis à gauche. Gauche, fusil et tout ça. Tu vois le chat là? Non. Là-bas. Repoint. Par là, là. J'ai sa cervelle, nettoyez-moi ça. Mais j'en ai rien à faire. C'est en référence au c'est dégueulasse. Oh, il y a encore plus de balles dans ce pif. Il y en a encore pas de la carcasse du char. Je change d'endroit. Ok. La légende dit que si on est à deux dans la bunker, on se prend une bombe. Oui, bah la légende dit qu'il y a encore des ennemis en face surtout. Infanterie en 40 à la lisière de la forêt. Ah bah ça, infanterie en 40, merci. Hein. Ah, ça pique, hein, connard. Oh putain. Tenez la ligne. Je me prends de la boue dans le nez. À gauche aussi. T'as besoin de soin? Ouais. Oh non, Purem. Il vient de mourir, laisse-le tomber. Il est pas mort, je vais le sauver, t'es fou. Non, il est mort. Cache-toi, Miguel. Bah oui, il est mort. Il est mort, là. J'ai son pied démembré, il est mort. Ah, mon dieu. Médic. Quoi? C'est moche, gars. Ils ont été pris par les Allemands, donc on va peut-être avoir de la visite par l'Ouest. Et on a un avion de reconnaissance qui vient de passer. Est-ce dans qu'on les ferait pas un autre étage, Miguel? Oui, mais alors t'en fais un de l'autre côté, parce qu'ils arrivent. Ah. Et ils vont arriver de l'Ouest. Ils vont arriver de l'Ouest. Faudrait faire une défense sur l'Ouest, on en a pas.
Il est où le constructeur en charge, Bernardo, là? Encore Bernardo? Faut que t'ailles dans la baraque d'en face. Bernardo, t'es où, Bernardo? Quelqu'un veut l'esclave noir Bernardo? Oh putain! Alors bienvenue au club, ici nous avons un thé caféiné, des protéinés au choix. On a aussi un assortiment de... Oh, il y a un caillou qui va atterrir juste ici. Il est où le caillou? Il a des pop. What? Ils nous débordent, ils sont en close quarter. On est débordé sur l'ouest, ils sont à 50 mètres à votre gauche là. Attends. Ils sont à 50 mètres, jetez une grue, ils sont juste de l'autre côté. Grenade. Headshot. Ils sont juste de l'autre côté de la frontière. Faites attention, chef, vous allez encore vous prendre un pruneau d'agin. Mais lui, il fait des strafes à CSGO, il se baisse, il... Oh, Stalin grenade 2, cours. Il arrive, attends, Miguel. Non, Miguel, viens ici. Mets ça par terre, j'ai Miguel par terre, dans le bunker. Négatif, sans B radio. Troisième escouade totalement débordé pour l'instant. Cardi fure et je me suis jeté dessus pour le sauver. Ah, c'est joli. Ouais, sauf que j'ai explosé comme une merde. Ouais, alors c'est bon, Dyland. Voilà. Va crier victoire trop vite. Le mec il est en critique, il va claquer, mais tout va bien quoi. Ah bah, tu vois, en fait, il est tombé sur le toit tout là-bas. Oui, mais tu vois, Bernard, quand il y a des trous qui fuitent, ta tuyauterie, tu les bouges, tu vois. Bah là, c'est pareil. Mais j'ai plus de pansement, j'ai plus rien pour boucher. Et bah, tu trouves une solution parce que là, il est en critique, tu vois, du genre en mode son cœur, il va faire. Ah bah, ça, c'est probable. Bah, si je trouve des pansements quelque part, je les prends. T'as des pansements. Enfin, oui, là, c'est bon, mais là, il faut du sang, là, surtout. Bah, j'ai rien, j'ai pas de ça, moi. T'as pas grand chose, hein, dis donc. Ah, j'ai des sacs de sable, si tu veux. Ouais, ça, j'avais remarqué. Et en plus, non, mais tu pouvais me le dire, le mec, il. Mais... Quoi? Il a quoi? Bah, il en arrêt cardiaque. Mais ça, je le savais pas, moi non plus. Ah, mais. C'est un minimum, quand t'arrives, tu vérifies juste qu'il a un. Non, mais d'accord, tu as fait une belle action, effectivement, Bernard. Mais s'il meurt, ça aura servi à rien. Bah, au moins, ça sera beau. Ils étaient à 50 mètres, on en est où, du coup? Parce que. Quand je suis arrivé, ils étaient à 20 mètres. Parce que j'en ai tué 2-3, j'ai jeté une greu, et puis ensuite ils m'ont rétorqué avec une greu, j'ai fait ok.